Et pour le bilan quotidien des infections au coronavirus, l'Algérie a enregistré 587 nouveaux cas, 246 guérisons et 13 décès durant les dernières 24 heures. Je vous propose d'écouter la déclaration du porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamel Fouraj. Aujourd'hui, le mardi 21 juillet 2020, nous allons vous donner, comme d'habitude, un point de situation de l'évolution de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Pour ce qui est des principaux indicateurs au cours de 24 dernières heures, nous avons enregistré 587 nouveaux cas, 246 patients guéris qui ont quitté l'établissement hospitalier, 56 patients en soins intensifs et 13 décès. Avec la notification de 587 nouveaux cas au cours de 24 dernières heures, l'incidence est de 1,3 cas pour 100 000 habitants au cours de 24 dernières heures, sachant que 25 wilayas ont notifié moins de 10 cas et 23 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré 13 nouveaux décès, rahimahoumullah. Pour ce qui est des patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, leur nombre à ce jour est de 16 646 patients guéris, dont 246 sont guéris et ont quitté les établissements hospitaliers au cours de 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons actuellement 56 patients en soins intensifs. Et pour ce qui est donc des recommandations, nous appelons la population à rester vigilante, surtout à l'approche de la fête de l'Aïd al-Adha al-Mubarak, également de respecter pleinement les mesures barrières, surtout la distanciation sociale et le port de masque obligatoire.